Et bonjour à toutes et à tous, c'est Abidal et on se retrouve pour l'épisode 16, je crois, de notre série sur Game Dev Tycoon, oui. Non, ce que je voyais, j'allais dire SimCity parce que j'ai vu PS4 sur un retour du marché dans 2 mois. Parce que je voyais le jeu en train de se vendre. J'y ai pensé. Alors, on a presque tout recherché de ce qu'on peut rechercher là. Manque juste 150 points et je peux tout rechercher. Allez, juste 150, puisque c'est 2 labos à pouvoir le faire, alors... J'ai l'argent de la Gamersphere qui arrive. C'est bon, 150. Non. Tu vas rechercher le tout dernier truc, la 2DV5. Et vous, vous avez développé une nouvelle console. Eh oui. Attendez, cherche à... Comment on dit ça déjà? Attends. Arbicercle. Oui, c'est totalement pourri. On va mettre 20 millions. Pour l'assurance de la qualité. Alors, ce qu'elle peut avoir? Elle peut avoir aussi la 2D. Ah non, c'est soit on choisit. Ok, donc elle peut avoir ça. Ça va coûter beaucoup trop cher. On va attendre avant de faire ça. La PS4 a été retirée du marché. Ok, vous allez juste faire tout de suite un autre jeu juste après qu'elle est finie. Action sont particulièrement demandées. Action, ok. On va mettre un petit peu moins d'argent dans le... Dans le labo, voilà, histoire que on le met en pause, le labo. Et le labo R&D, il va continuer à nous donner des points de recherche. Enfin, non. Non, allez, on le met en pause. Voilà, en pause. Tout mis en pause. Donc, alors, oh putain... Bah dis donc. On va faire des contrats juste après qu'ils reviennent là, de congé. Non, pas de convention. Je vais pas y aller. Alors, un travail sous compte. Désolé, attendez. Désolé. Alors, 3 semaines. Du pognon, il me faut. Oh, j'ai même pas regardé. Oh, ça va, je peux le faire, ça. Ouais, histoire de gagner un petit peu d'argent. Je teste, mais enfin bon, je suis pas sûr du tout. On va activer son booster à lui. Oh non, c'est le design qui me manque. J'aurais pu réussir. Oula, là par contre. Regardez en haut à gauche la Gamersphere. Dans 2 mois, la Xbox One sera retirée du marché. Ah, c'était parce que j'ai totalement enlevé la... Le pognon. Je vais quand même regarder si c'est parce que j'ai enlevé l'argent.
Ah, ok, c'est parce que j'ai enlevé. Ok, ça diminue, d'accord. Le jeu est importé, ouais. C'est visé sans tendance particulière. D'accord. Et parce que j'avais totalement enlevé l'argent dans le budget dans le labo techno. Ah, pardon. Alors, trouver une offre d'édition. Zombie, simulation, électronique masse production. Une simulation de zombies. Alors, une simulation de zombies. Tout public en plus. Putain, c'est pas possible, zombies. Simulation de zombies. Zombator. Moteur numéro 8. Graphisme 3DV3. Ouais, Zombator. Super jeu, hein. Bon, alors, progression des personnages. Didacticiel. Meilleure expérience utilisateur. Hein, je m'en fous, allez. Tant que j'ai du pognon. Ah, c'est cool. C'est une interview, ok? Design du monde ou gameplay pour simulation? Je dirais gameplay, moi. Alors, design du niveau. Voilà. Ouais, ça c'est bon, ouais, ça c'est bon. Les graphismes, on va mettre ça. Oui, je dis bien ça. Le son, on va mettre ça. Allez. Ah, on perd pas mal d'argent là. On a beaucoup moins d'argent qu'avant. Cher arbitre, nous, la Guilde mondiale des développeurs de jeux vidéo, voudrions vous inviter à une cérémonie de remise des prix spéciales lors de notre assemblée à la fin de l'année. Nous serions reconnaissants de venir. NB, le jeu s'arrêtera à la fin de cette année. Voilà. Sûrement un épisode final, c'est l'épisode final. 35 ans en arrière. Non, convention G3, non.
Allez, graphisme 3D4 débloqué. Et il va la rechercher. Alors, première critique pour Zombatar. Alors, un 6 minimum. Minimum 6, s'il vous plaît. Un 6,5 au moins. 7, 7, 7, 7. Oh putain. Un 7, un 7, s'il vous plaît. Oh mon dieu. Oh. J'ai pas calculé dans les... Yes. Ouais, donc 1 million la première semaine. 2 millions la première semaine. De nouveaux thèmes en ce moment. Bah, vous en avez un. Ok, deuxième semaine, déjà 3 millions de ventes. 4 millions de ventes. Ah. Donc on s'en fout. Peut-être qu'il va durer moins longtemps ou plus longtemps cet épisode. Vu que c'est la fin. Attendez, est-ce que j'ai battu mon record? C'est 6,9. J'ai battu mon record. C'est bon. Mon record dans cette partie. Hein. C'était Warspace Chronicles, mon record. Et là, je le bats. Oh la main même. Et ça remonte, les ventes. Allez, au moins le 10 millions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le 10 millions. Je crois qu'il y a un succès faire 10 millions. Je suis pas sûr. À moins que j'ai déjà fait. On va regarder après. Ouais. Bon, alors, est-ce qu'il y a un succès? Succès? Alors, ouais, il y a un succès, sauf que je l'ai déjà eu. En gros, c'est vendre 10 millions de copies d'un jeu sans l'aide d'un éditeur. Ah ouais, mais là, moi, j'avais un éditeur. Moi, dans tous les cas, ça. Il y a même un... Ah oui. Obtenir une note de 11 sur 10. J'ai juste pas... Il y en a juste 4 que j'ai pas eu encore. Légende, atteindre le niveau 10 avec un personnage. Jeu parfait, sortir un jeu avec un score parfait de 10. Fan, choisissez un nom de société original. Voilà. Bon. C'est bientôt la fin. La fin du jeu, hein. C'est là la fin de ce mois. Non. Plus que 2 mois et puis voilà. En haut à droite, vous voyez... Le M mois, le A année et S semaine. Voilà. Donc, on se sera fait un bon nom. Arby Games, bien connu. Qui a sorti sa propre console. Et pour finir, on va faire un moteur de jeu. Ouais, parce que j'ai que ça à foutre. Non, parce que j'ai eu de nouveaux trucs. Bien intéressant. Non. V9, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, 2DV5, on s'en fout de la 2DV4 maintenant. 3DV4 maintenant. Narration vidéo. Arbre de compétences et Super Visorius. Environnement dynamique et bande originale symphonique. Son stéréo, ça, on s'en fout. Histoire que ça coûte moins cher. Mumix! Merde, j'ai marqué Mumix! Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est pas grave, le Mumix! La guilde mondiale des développeurs a accordé à Arbiter, PDG de Arby Games, un trophée pour l'ensemble de sa contribution à l'industrie du jeu vidéo. Tout au long d'une impressionnante carrière de 35 ans au sein de Arby Games, Arbiter a proposé de nombreux jeux révolutionnaires. 30. L'entreprise a refait parler d'elle récemment avec Zombatar. Ils sont aussi connus pour la Gamersphere, console qui a eu beaucoup de succès. Félicitations, vous avez terminé Game Dev Tycoon. Nous allons maintenant calculer votre score final et vous montrer quelques statistiques. Vous pouvez continuer à jouer après ça. Le moins rentable, voyage dans le futur. Le thème le plus utilisé, avion espace. Le genre le plus utilisé, simulation. Thème recherché, 51, donc tous. Nombre total de recherches terminées, 57, donc toutes. Point de design généré, 2000. 766.
Point de technologie générale 3686. Petit jeu 5, jeu moyen 23, gros jeu 3. Jeu AAA, donc en gros 10 sur 10. Bon jeu 11. Hit 11. Contrat d'édition 3, j'en fais pas beaucoup. Jeu auto-édité 28. Revente score 9,5 millions d'exemplaires pour Jean Bâtard. Fan, bon voilà, beaucoup. Argent 18,3 millions. Enfin, 18 millions, 3. Et console personnalisée 1. Une seule. Bravo, vous venez de terminer Game Dev Tycoon. Merci d'y avoir joué. Si vous avez aimé notre petit jeu, pensez à en parler à vos amis. Ben, je vous en parle sur YouTube. N'hésitez pas à y jouer. C'est un très bon jeu. Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre votre partie, mais sachez qu'aucune nouvelle console ni aucun élément scénarisé apparaîtra. Voilà. On a fini Game Dev Tycoon. En 15 épisodes. Bon bah, sur ce, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, notamment sur le prochain jeu que j'ai faire. Notamment, si vous voulez voir un jeu apparaître sur la chaîne, si vous voulez. Bon là, j'ai déjà ma petite idée. Enfin, la vidéo va sortir dans pas longtemps. J'ai pas encore fait le. J'ai pas encore tourné, mais je sais quel jeu je vais faire. J'hésite entre deux jeux. Bon, sur ce, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à mettre des commentaires, conseils et tout. Et c'est la fin de cette série. Allez, bye bye!